effectivement, le terme urbanisme a été inventé par un Espagnol, par Cerdà, au 19e siècle. Donc c'est très récent, hein, ça a 150 ans. Alors la maçonnerie, c'est tout simplement l'art de transformer des matériaux naturels, hein, que ce soit de la pierre, de l'argile, des mélanges de paille et d'argile, enfin que sais-je, de leur donner une forme et d'en faire en fait des matériaux de construction pour construire un édifice. Donc c'est quelque chose qui est apparu quasiment aux origines de l'humanité, hein, à partir du moment où l'homme a commencé à se bâtir des abris, aussi modestes étaient-ils, dans les premiers temps. Alors l'architecture, c'est un niveau en quelque sorte supérieur. C'est-à-dire que l'architecture, c'est pas seulement savoir réunir, assembler, jointer des matériaux, c'est construire un édifice. Alors cet édifice, on le construit soit à côté d'édifices qui existent déjà, hein, donc il y a un rapport à l'existant, soit ex nihilo en quelque sorte, hein, dans un territoire à l'origine vierge. Dans les deux cas, il se pose la question du rapport à l'existant, hein, puisque même si c'est dans la nature, précisément la nature, elle est différenciée, elle n'est pas neutre, c'est pas un espace purement mathématique, c'est un espace qui a sa topologie et qui, du reste, très vite, a quand même été marqué par l'histoire des hommes, parce que même à la campagne, c'est le fruit des aménagements des paysans, même s'il n'y a pas de bâti, ou si ce n'est une petite bicoque de berger. Donc l'architecture fait ce travail de construire par rapport à l'existant. Ça inclut évidemment l'ornement. Alors on sait qu'Adolf Loos disait que l'ornement est un crime, mais en fait l'esthétique est indissociable de toute architecture. Même une architecture qui se veut très sobre obéit à une esthétique, parce que chaque civilisation a une façon particulière de voir ce qui est bien pour elle et ce qui est beau selon ses critères. Et donc, il y a toujours de l'esthétique, même quand, à l'époque moderne, on a tendance à vouloir refuser l'ornement, etc. On est néanmoins tributaire d'une vision esthétique. Même une esthétique de l'anti-esthétique, à l'extrême. Alors, l'urbanisme est une échelle supérieure. L'urbanisme suppose la possibilité de plusieurs architectures différentes. C'est-à-dire que quand on réfléchit à, par exemple, l'urbanisation d'un nouveau quartier, ou tout simplement le réaménagement, la restructuration d'un quartier, eh bien, il est évident que ça peut faire sa place à plusieurs projets d'architectes différents, de natures différentes, de styles différents, à la fois différents par leur destination. Un équipement sportif, c'est pas un immeuble d'habitation, qui n'est pas une école, qui n'est pas un gymnase, etc., qui n'est pas une brasserie, mais aussi différent parce que l'inspiration des architectes peut être très différente, traditionnelle, traditionnaliste, ou au contraire hyper moderniste, minimaliste, ou au contraire recherchant des décorations baroques, etc. Ce qui est important aussi, et ça existe dès le stade de l'architecture, alors c'est encore plus flagrant quand on monte au niveau de l'urbanisme, c'est que, en fait, c'est l'importance des vides. C'est-à-dire qu'un architecte, c'est pas seulement quelqu'un qui s'occupe des constructions, c'est pas seulement celui qui va, en quelque sorte, être le patron des maçons, c'est aussi quelqu'un qui s'occupe de ce que l'on ne construit pas. Les espaces non construits sont tout aussi importants que les espaces construits. Le vide est tout aussi important que le plein. Donc c'est aussi l'architecte et plus encore l'urbaniste doivent réfléchir à comment faire en quelque sorte
respirer la ville, comment laisser des vides, et réfléchir à qui s'approprie ces vides, quel type de pratique sociale cela peut permettre, cela peut générer, quelles sont les pratiques souhaitables, et est-ce que précisément la construction qu'il propose peut favoriser les pratiques souhaitables ou peut-être au contraire les contrecarrer. Voilà, donc ce n'est pas neutre, ce n'est absolument pas neutre. Donc évidemment, plus on fait du neuf, en quelque sorte, plus on a besoin d'urbanistes et pas seulement d'architectes. Ce qu'on appelle la cité, ça renvoie à la fois à un aspect physique des bâtiments, aussi bien d'habitation, de commerce, religieux, politique, bien sûr, des espaces aussi de rencontres, de décisions politiques, l'agora par exemple, et ça renvoie aussi à une structure politique. Sous la Grèce antique, quand deux cités se font la guerre, c'est en fait deux structures politiques. Donc effectivement, quand on dit qu'une cité en a fait reculer une autre, on ne veut pas dire par là que les murs ont reculé, même si au demeurant ça peut aussi être une conséquence, mais on veut dire par là que politiquement, une cité a imposé des reculs à une autre cité. Par exemple, lui a imposé un accord commercial intéressant pour une des cités et défavorable pour l'autre, lui a imposé la possibilité de vendre certains produits, de concurrencer certaines productions artisanales, etc. Donc on parle bien d'un jeu politique, d'un rapport de force politique. À l'origine, citoyen, ça veut dire acteur politique d'une ville. Ça ne veut pas seulement dire habitant, puisqu'on sait qu'il y avait des esclaves. Donc ça veut dire acteur politique. Et il y avait généralement moins d'acteurs politiques que d'habitants. Les temps ont changé depuis l'Antiquité, puisque en fait la cité, depuis la fin de l'Antiquité, a cessé d'être une unité politique. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, la cité dépendait des seigneurs, elle a vite cherché à obtenir une autonomie, ce qu'on a appelé les libertés communales, elle a cherché à obtenir cette autonomie politique. Très vite aussi, les classes aisées, c'est-à-dire ce qui a été progressivement l'émergence de la bourgeoisie dans les cités, a cherché à obtenir un pouvoir politique, mais néanmoins, la ville restait dans la dépendance des seigneurs, et progressivement, quand le pouvoir des seigneurs a décru, quand en fait la féodalité a progressivement laissé la place aux pouvoirs royaux, eh bien c'est tout simplement le roi qui a essayé de contrôler les villes, toujours dans un jeu de transactions avec les pouvoirs locaux qui de plus en plus ont été exercés par la bourgeoisie, hein, à partir de la fin du Moyen-Âge, par la bourgeoisie commerçante, etc. Bourgeoisie à laquelle est venue s'agréger une nouvelle bourgeoisie administrative, hein, les agents du roi, plus les nobles, les officiers, etc. Sous l'Antiquité, je pense essentiellement à la Grèce, le synosisme a consisté à créer des villes par regroupement de villages. Alors Sparte, c'est l'exemple caractéristique de cela. Par contre, il y a des contre-exemples comme Athènes, comme Rhodes, où pour le coup, la ville s'est plutôt constituée à la place des villages. Hein, donc c'est deux types de production de villes en quelque sorte différentes, l'une en quelque sorte par fédération, par association, l'autre par remplacement en quelque sorte, hein, de manière en quelque sorte plus brutale. Parfois parce que le regroupement de villages n'aurait pas permis de les défendre, et donc les villages ont été obsolètes, ont été abandonnés, etc. Donc c'est effectivement deux modèles que l'on trouve à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre dans le même pays, au même moment, sous l'Antiquité. Platon parle de la cité idéale dans la République, et il en parle aussi dans les lois, qui est plus tardif. Alors,
Platon imagine une cité idéale avec un nombre extrêmement précis d'habitants, 5040. Autant dire que la planification est au cœur de la pensée de Platon, même si le concept de plan n'existait pas sous cette forme. Ça veut dire qu'il y a un contrôle autoritaire de la population, ça veut dire qu'il y a bien entendu des infanticides, ça veut dire qu'il y a en fait un régime totalement autoritaire. Alors c'est un communisme. C'est pas un communisme et tout à fait égalitaire, mais c'est vraiment une mise en commun des femmes et des enfants que prône Platon. Il évoluera un peu tardivement dans les lois où il accepte quand même la possibilité du mariage, mais dans la République c'est beaucoup plus strict. Il se trouve par ailleurs que même si Platon n'est pas un égalitariste, il considère que les inégalités doivent être limitées, c'est d'ailleurs assez strict, puisqu'il considère que elles doivent, l'échelle des inégalités doit être de 1 à 5, pas plus. Donc c'est assez rigoureux. On en est loin dans la France d'aujourd'hui. Hein, et donc voilà. Alors c'est un modèle fondamentalement reposant sur l'exaltation de la vertu, c'est-à-dire plus l'homme est sage et vertueux, plus la cité sera sage et vertueuse. Voilà. Alors, Aristote est un tout petit peu moins dans le registre du communisme autoritaire et spartiate que Platon, hein, parce que le modèle de Platon, c'était pas Athènes, c'était Sparte. Toutefois, il y a beaucoup de points communs. Le fait qu'il y ait une homothétie entre la vertu de chacun et la vertu de la cité, entre la sagesse de chacun et la sagesse que l'on doit retrouver dans l'ensemble de la cité. Hein, la cité est le reflet des qualités ou des défauts de la collectivité. Il y a chez Aristote l'insistance sur l'autarcie. Donc la taille d'une ville doit lui permettre d'être autarcique, donc pas trop petite évidemment, mais pas non plus trop grande parce que c'est trop complexe à gérer. Et aussi l'idée que tout le monde doit se connaître, ne serait-ce que de vue. La ville, dit Aristote, doit pouvoir être embrassée d'un coup d'œil. Donc, évidemment, il faut que ça soit, entre guillemets, à taille humaine, et donc pas une foule dont on n'apercevrait pas la fin. Donc, il y a cette idée d'une taille raisonnable chez Aristote. Voilà, et la ville est aussi le lieu où s'exercent les vertus du politique. Chez les Romains, le pomerium, c'est la limite de la ville, hein, c'est le au-delà des enceintes. Chez les Romains, les enceintes ont une fonction bien entendu militaire, mais elles ont aussi une très importante fonction sacrée. Ce qui est à l'extérieur est hors citoyenneté, et par ailleurs, les militaires doivent rester à l'extérieur pour ne pas empiéter sur le politique. Donc ça, c'est une symbolique très forte, quoi. Le militaire reste à l'extérieur des limites de la ville, à l'extérieur du pomerium. Par ailleurs, les villes romaines, à l'origine, il y a toujours deux axes qui sont tracés, hein, le Cardo, qui est un axe nord-sud, et le Decumanus, qui est un axe est-ouest. Et alors là, ce sont vraiment des symboliques que l'on retrouvera dans beaucoup de villes. Hein. L'axe nord-sud à Paris, c'est boulevard Saint-Michel, boulevard de Sébastopol, l'axe est-ouest, c'est la rue de Rivoli, la rue Saint-Antoine, etc. Voilà, et donc vraiment, ces deux axes étaient très importants. Pour les Romains, il y a vraiment une notion du sacré. La création de la ville est un acte qui relève du sacré. Alors effectivement, la muraille n'est plus servienne, mais il y a toujours une muraille. Les villes du Moyen-Âge doivent se protéger. Alors la grande différence avec la ville antique, ce ne sont plus des entités politiques à elles seules. Quant à leur plan, il est très varié. Elles sont parfois polycentriques, puisqu'il y a une place du marché, une place de l'église, une place de la maison communale, place de l'hôtel de ville en termes modernes.
Le plan, par exemple, des villes nouvelles du Moyen-Âge, par exemple des Bastides, le terme Bastide est provençal, mais des Bastides, on en trouve beaucoup dans le sud-ouest, hein, dans le sud en général, notamment dans le sud-ouest. Les Bastides ont, elles, un plan en damier, hein, un plan hippodamien, hein, en damier ou en échiquier. D'autres villes ont un plan plus radioconcentrique, un petit peu comme un escargot, si vous voulez, qui tourne autour de lui-même. Hein. Donc il y a un peu les deux choses en fonction des villes, sachant que les villes nouvelles, qui étaient les Bastides, ont plutôt un plan en damier. Il y a aussi eu des reconstructions, parfois, de villes traditionnelles qui sont faites avec un plan en damier. Voilà, alors pour ce qui est des remparts, on en voit encore à Provins, Le Mans aussi, voilà, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Et donc, avec ces remparts, il y avait une distinction très nette entre la ville elle-même et la campagne. Alors, au fil de l'histoire, cette séparation nette a connu des éléments intermédiaires, puisque il y a eu des faubourgs qui ont pu s'étendre au-delà des remparts et qui parfois ont été ensuite intégrés à la ville par l'édification de nouveaux remparts. Voilà. Alors l'une des explications de la relative rondeur de certaines villes, rondeur vue d'en haut, en quelque sorte, c'est tout simplement que la plus courte des murailles, c'est une muraille ronde. Hein. Donc c'est ce qui permet d'enclore le plus d'hectares en les protégeant, c'est d'avoir une forme de muraille de type arrondi. Ensuite, bien entendu, les considérations de géographie, de topologie font que c'est jamais un cercle parfait, c'est rarement un cercle parfait. Voilà. La Renaissance est une période où on essaye, contrairement aux âges féodaux, on essaye de faire descendre en quelque sorte la perfection sur la terre. Donc c'est si je puis dire, une réinterprétation du christianisme. Hein. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et bien à la Renaissance, mon royaume, c'est-à-dire le royaume de la perfection, est un petit peu de ce monde. D'où des utopies comme l'Utopia hein, de Thomas More, d'où la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon, deux Anglais, d'où la Cité du Soleil de Campanella. Alors ce sont des utopies, c'est-à-dire qu'on retrouve comme chez Platon l'idée d'une taille idéale de population, en dessous de laquelle il ne faut pas descendre, mais au-dessus de laquelle surtout il ne faut pas monter, hein, toujours le sens de la limite, de la mesure exacte. Il y a dans ces plans de cité idéale souvent un plan radioconcentrique et non pas en damier, une sorte de convergence vers un foyer. Hein. Alors, tout ça renvoie à l'une des nouveautés hein, de la Renaissance, qui est la redécouverte de Platon. Hein, on sait qu'il y a eu un néoplatonisme du 3e au 6e siècle après Jésus-Christ, il y a un deuxième platonisme, un second platonisme, ou un second néoplatonisme, hein, même si on veut être précis, à partir de la fin du 14e siècle. Alors, ça, c'est un aspect. Donc, le platonisme, hein, effectivement, à partir de là, on veut essayer de... Il y a quand même cette idée d'un dieu qui rayonne, et le plan radioconcentrique, qui figure un petit peu le soleil, hein, le plan radioconcentrique renvoie quand même à l'influence de Platon. Il y a un aspect plus matériel, parce qu'il y a toujours, dans l'histoire de l'urbain, des aspects idéologiques, hein, des visions du monde, des représentations du monde, des Weltanschauung, et il y a un aspect matériel, tout simplement, à la fin du Moyen-Âge, vers 1340, hein, on sait qu'il y a eu la Grande Peste, la Peste Noire, et la population de l'Europe a énormément décru, des villes ont disparu, ou ont été ramenées à des petits bourgs, alors que c'était des grandes villes, et c'est aussi pour cela qu'il y a des utopies
de la reconstruction. C'est parce qu'il y avait un besoin de reprendre un nouvel élan après ce cataclysme qui a été la grande peste. Alors oui, le 19e siècle est un siècle de croissance des villes, croissance considérable. Au 18e, les plus grandes villes d'Europe sont Londres et Naples, voilà, et Paris. Paris a déjà presque 600 000 habitants sous le Premier Empire. Bon, pour situer, vers 1830, elle atteint à peu près 1 million d'habitants. En 1860, il y a l'annexion de la partie périphérique, au-delà des grands boulevards, puisque Paris passe de 12 arrondissements aux 20 arrondissements actuels. Vers 1866, Paris, sa taille augmentée en 1860, donc Paris a déjà près de 2 millions d'habitants. Et ensuite, ce qui se développe très vite, c'est la banlieue. C'est-à-dire que Paris, vers 1885-86, alors Paris et sa banlieue cette fois, donc là on ne parle plus du Paris administratif, mais de l'agglomération parisienne, comme nous ne disions pas encore à l'époque, mais enfin disons la région de Paris avait déjà 3 millions d'habitants vers 1880 et vers 1900, je crois que c'est 1904 où il y a eu où on a des statistiques. On a déjà Paris et sa banlieue, Paris, l'agglomération, à 4 millions d'habitants. Bon, et dans les années 30, on sera à 6 millions, enfin bref. Et maintenant, on sait qu'on est à 12 millions si on prend l'aire urbaine au sens large, qui dépasse l'Île-de-France, qui n'inclut pas toute l'Île-de-France, parce qu'il y a des parties rurales en Île-de-France, mais qui, à certains endroits, dépasse l'Île-de-France pour aller vers le Loiret, vers l'Eure-et-Loir, ou vers la Picardie, vers l'Oise. Donc ça fait 12 millions. Donc c'est considérable, et alors en l'occurrence, ce qui se passe, pour revenir à la question précisément au 19e siècle, c'est que effectivement l'industrialisation amène à ce que tout ce qui est polluant soit mis en banlieue, aussi bien à Boulogne-Billancourt qu'à Saint-Denis, qu'à Aubervilliers, etc. Donc à l'époque, la plupart des banlieues, en dehors de quelques villes déjà bourgeoises en partie, comme Neuilly. La plupart des banlieues sont des banlieues populaires, ouvrières, et par contre, les quartiers résidentiels sont plutôt vers ce qu'on appelait la Nouvelle Athènes, vers le 9e arrondissement, vers la Trinité, etc. Donc effectivement, conditions de vie très très difficiles des ouvriers qui sont locataires, construction d'immeubles en trois catégories, classe bourgeoise, classe moyenne, classe populaire. Vraiment, la ville est mise au service du développement économique. Et donc, les banlieues se développent, qui sont généralement constituées de bâtisses extrêmement modestes, dans lesquelles règne une grande insalubrité. Mais cette insalubrité, on la trouve aussi dans les faubourgs parisiens, dans les secteurs annexés en 1860, à Belleville, etc. Et même dans le Vieux Paris, vers la Contrescarpe, etc. Donc voilà. L'œuvre du baron Haussmann n'est pas dissociable de sa protection politique. L'impulsion politique est tout simplement celle de Napoléon III, l'auteur socialisant de l'extinction du paupérisme. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que Haussmann a beaucoup transformé Paris, mais que l'idée, malgré tout, de créer des percées a existé bien avant lui. Alors Napoléon Ier avait déjà eu des projets qui avaient commencé à être réalisés, du côté notamment de la rue de Rivoli. La restauration et la monarchie de Juillet ont quand même vu le percement de 170 rues, pas totalement négligeable. Mais Haussmann, effectivement, voit les choses à une autre échelle. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Alors déjà, peu de temps après ce début de son travail de transformation, il a la possibilité
d'étendre le champ de son secteur d'intervention par l'annexion de ces arrondissements périphériques auxquels nous avons déjà fait allusion, donc en 1860, à partir duquel Paris a ses limites administratives actuelles. Ensuite, Haussmann tient à rendre la circulation plus facile à Paris. Alors, on a beaucoup insisté sur les aspects de sécurité, les aspects militaires, les aspects de contrôle politique et policier de la population. Bien entendu, ils existent. Aucun pouvoir n'est indifférent au risque d'émeute et à l'intérêt qu'il y a à pouvoir en triompher si elles surviennent. C'est une évidence. Mais on ne peut absolument pas réduire Haussmann à cet aspect. Il y a tout simplement l'amélioration des circulations pour éviter les pertes de temps et d'argent dues aux embouteillages et finalement le handicap que cela constitue pour le commerce, tout simplement. Le handicap que ça constitue aussi pour tous les gens qui vont travailler. Il y a l'aspect esthétique. Une ville complètement embouteillée, encombrée, où l'on ne circule qu'extrêmement lentement, ça manque un petit peu d'allure aussi. Il y a des considérations d'hygiène, dégager un peu des voies, mieux aérer la ville, d'où la création d'axes aussi bien nord-sud qu'est-ouest, que radioconcentriques, permettant de rejoindre l'ancienne limite de Paris, c'est-à-dire les premières fortifications, donc en fait les grands boulevards, ce que sont devenus les grands boulevards, au métro actuel, Grand Boulevard, la Porte Saint-Denis, Strasbourg-Saint-Denis, la Place de la République, Voltaire, etc. Donc là, il y a des axes radioconcentriques. Il y a eu le souci aussi de rendre plus généreuse et plus impressionnante un certain nombre de places existantes qui ont été élargies, comme la place du Châtelet, et il y a aussi la création de places entièrement nouvelles, comme la place de l'Opéra, à partir de projets en fait, qui créent quasiment de nouveaux quartiers. Alors c'est un urbanisme dont on a pu reprocher une certaine monotonie, auquel on a pu reprocher une certaine monotonie, Charles Garnier reprochait cette monotonie. C'est pas faux que les immeubles haussmanniens se ressemblent. Néanmoins, cette homogénéité donne une certaine allure, et surtout, ce qui est intéressant, même si on peut regretter peut-être une un peu trop grande homogénéité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même une sorte de charte, c'est-à-dire régulièrement avoir des jardins, régulièrement prévoir un certain mobilier urbain, du type banc, etc., anticiper le développement de la circulation. On voit que les quartiers haussmanniens ont quand même plutôt bien résisté aux évolutions technologiques. Autre préoccupation d'Haussmann qu'on ne pouvait pas avoir évidemment sous la Restauration, c'est l'accès aux gares. À partir du moment où l'époque d'Haussmann et l'époque où les villes deviennent reliées toutes entre elles par des gares et où Paris cumule une série impressionnante de gares qui permet à Paris de rayonner sur toute la France, un petit peu comme un soleil, eh bien, effectivement, l'accès facile aux gares est une des préoccupations d'Haussmann. Alors, il aurait souhaité, en plus, que les gares entre elles soient particulièrement bien reliées par des grands boulevards. Ça, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son projet. Un autre aspect aussi, qui renvoie là, pour le coup, à l'aspect sécuritaire, qui n'est pas à nier, c'était aussi que Haussmann a souhaité et a fait en sorte que les casernes soient bien reliées entre elles, parce que c'est vrai qu'en cas d'émeute, que les casernes puissent être entre guillemets interconnectées, comme on ne disait pas à l'époque, c'est aussi une chose importante du point de vue de l'efficacité. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire, et cette politique d'Haussmann, il l'a appliquée aussi dans les quartiers annexés. La rue des Pyrénées est une création d'Haussmann et elle fait partie de la couronne annexée après 1860. Donc vraiment, c'est un travail très ambitieux qui est quand même d'une qualité exceptionnelle, il faut bien le dire, qui est vraiment très supérieur à beaucoup de choses qu'on a fait depuis. Il faut absolument pas le contester.
Évidemment, Fourier est un théoricien, Gaudin est plus un praticien, qui sont familistères de Guise, hein, dans l'Aisne. Alors, effectivement, compte tenu de la poussée de l'industrialisation et de l'exode rural et du développement des taudis qui sont concomitants des années 1820-1830, hein, voilà. Un certain nombre de penseurs, alors, socialistes ou socialisants comme Fourier, essayent de repenser une utopie qui serait un immeuble idéal. Alors c'est plus un immeuble idéal qu'une ville idéale, même si on peut imaginer que pour eux, la ville idéale, ça aurait pu être une juxtaposition d'immeubles eux-mêmes, entre guillemets, parfaits. Mais juxtaposition jusqu'à quel niveau, là-dessus, ils ne sont pas précis. En l'occurrence, bon, il y a l'idée d'un immeuble parfait, hygiénique, concentrant les activités de repos, de loisirs, de garde des enfants, d'éducation, les activités politiques, en tout cas au niveau de la gestion même de cet immeuble, les activités politiques locales, donc. Et donc, effectivement, ça donne lieu à des projets de bâtiments, etc. En l'occurrence, ce qui est intéressant avec le familistère de Guise, hein, c'est que c'est à la fois une unité de vie et une coopérative ouvrière de production. Donc, pour le coup, c'est une expérience intéressante de socialisme associationniste. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est de Fourier, on est plus dans l'abstraction, on revient plus un peu vers l'idéalisme de Platon. On est plus dans l'idée que l'harmonie correspond à un nombre optimum que l'on pourrait calculer d'habitants dans un immeuble. Là, on est dans quelque chose de beaucoup moins concret qu'avec le familistère de Guise, qui a quand même le mérite d'être une expérimentation concrète. Et alors, il y a aussi eu les expérimentations qui n'ont pas très bien marché de Victor Considérant aux États-Unis, au Texas. Voilà, d'autres expériences aussi. Pour la commodité de la démonstration, on utilise souvent une distinction qu'on trouve chez Françoise Schoer dans l'urbanisme, utopie et réalité, entre plusieurs typologies, hein, d'urbanisme. Alors, l'urbanisme culturaliste, en fait, c'est quelque chose de très proche de ce que les Américains appellent « new urbanisme », hein, « nouvel urbanisme », c'est fondamentalement un courant d'idées, mais qui a donné lieu à des réalisations, qui s'est développé surtout à partir des années 1960, hein, il y a plus de soixantaine d'années donc, en réaction à l'anonymat des villes américaines, et mais aussi, parce que les Américains voyagent, et puis c'est un courant qui n'est pas seulement implanté aux États-Unis, mais aussi des villes européennes, qui commençait à se couvrir de banlieues interminables et de grands ensembles. Là, c'est une autre question sur laquelle nous reviendrons. Donc, ce courant culturaliste a comme principal souci d'affirmer que les gens n'ont pas seulement besoin de voir satisfaits des exigences quantitatives, avoir tant de mètres carrés par membre de la famille. C'est sûr que c'est mieux d'avoir 5 mètres carrés par membre de la famille que d'être à 3 par mètre carré. Mais les culturalistes disent, bien sûr qu'il y a des exigences quantitatives, mais il y a des exigences qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer, qui sont de l'ordre du relationnel. Les gens ont besoin de se sentir dans une ville où il y a des points de repère, où il y a des lieux de rencontre, où il y a des endroits de convergence, de socialité, de brassage, de mélange, et en même temps aussi de pouvoir se retirer dans des lieux où ils ont plus d'intimité. Donc il faut à la fois
par exemple des pour faire court, on va dire des bistrots, on se rencontre, et puis des parcs où on peut s'isoler et lire un livre tranquillement en étant dans son intimité, en quelque sorte dans sa bulle. Donc ça, c'est ce que disent les culturalistes, et donc ils disent, il suffit pas de raisonner en termes de mètres carrés par habitant ou en termes de mètres carrés d'espace vert par habitant, mais savoir concrètement comment ça va se passer en termes, par exemple, en termes d'accès, en termes de violence ou au contraire de douceur des rapports sociaux qui peuvent s'établir, etc. Donc en ce sens, la largeur des trottoirs, par exemple, a des rapports avec précisément les rapports que les gens établissent entre eux. S'il n'y a pas de place, si on se cogne, on finit par être agressif vis-à-vis de l'autre. Si à l'inverse, c'est infiniment trop large, il y a un sentiment d'insécurité parce qu'on a l'impression d'être tout seul et que la première personne que vous allez croiser de loin va être à 35 mètres. Donc il y a un juste équilibre à trouver. Et c'est là-dessus, c'est la réflexion des culturalistes. Donc c'est une réflexion très fine et qualitative. Alors, passons à leur phrase ennemie, si je puis dire, l'urbanisme progressiste. Alors l'urbanisme progressiste pense, lui, que, essentiellement, un habitat nouveau doit permettre l'émergence d'un homme nouveau. Que finalement, un habitat meilleur doit permettre l'émergence d'un homme qui sera meilleur. Voilà. Et donc, là, il s'agit non pas tant de s'adapter à l'homme que d'améliorer l'homme. L'outil est un instrument d'amélioration. C'est-à-dire que finalement, de même que l'utopie communiste consiste à penser que dans une société où il n'y a plus d'opposition de classe, il n'y a plus de raison qu'il y ait des vols, qu'il y ait des prostituées, qu'il y ait de la délinquance, etc. Utopie qu'on retrouve d'ailleurs dans le national-socialisme, hein, où il considérait que finalement dans la société dans laquelle serait établi durablement le national-socialisme, l'État pourrait dépérir, parce que finalement, entre Allemands tous nobles, tous dignes et tous éduqués, tous ayant bénéficié d'une éducation nationale socialiste, finalement, il n'y aurait plus de délinquance. On retrouve cette utopie, très curieusement, aussi bien dans un certain communisme que dans le national-socialisme. Donc, c'est l'utopie du dépérissement de l'État, en quelque sorte. Et donc, en l'occurrence, pour en revenir à l'urbanisme progressiste, bah, il pense qu'on va rendre l'homme meilleur par un habitat et par un type de construction, au-delà même de l'habitat, meilleur. Donc c'est une utopie transformatrice. Et quant à l'urbanisme naturaliste, hein, y a assez peu de choses à en dire. Disons simplement que c'est un urbanisme qui considère que les bâtiments doivent se fondre en quelque sorte dans la nature. Alors, ça n'a pas beaucoup de sens, alors on cite parfois comme urbaniste naturaliste, c'est plutôt un architecte, hein, au demeurant, Frank Lloyd Wright, ça n'a pas beaucoup de sens car un bâtiment isolé peut certes se fondre relativement dans la nature, c'est-à-dire être sur une ligne qui ne dépasse pas beaucoup des collines, etc. Mais à partir du moment où on construit plus qu'un bâtiment isolé, à partir du moment où on construit un quartier nouveau ou une ville, par définition, on transforme la nature. Donc ça n'a pas de sens de chercher à se fondre dans la nature. L'homme crée quelque chose qui est autre chose que la nature. Mais les culturalistes ne disent pas qu'il doit créer cette autre chose n'importe comment, sans tenir compte de la nature. Mais néanmoins, ça ne sera plus de la nature, ça sera de la nature transformée par l'homme. Donc c'est l'urbanisme naturaliste est inapplicable. Une architecture isolée peut être naturaliste, mais pas un urbanisme. Le Corbusier édite le texte de la Charte d'Athènes, qui est rédigé dès 1933, il l'édite une dizaine d'années plus tard. Les principes sont connus, hein, ce sont les fameuses quatre fonctions. Se loger, circuler, se distraire et travailler, parce qu'il faut bien sûr quand même travailler. En l'occurrence, tout le monde sera d'accord sur le fait qu'effectivement on peut distinguer ces fonctions. La vraie question c'est, est-ce que cette distinction doit se traduire en zone
strictement différenciée. Hein, alors Le Corbusier dit oui. Dans le même temps, le paradoxe, c'est que il propose en même temps de réduire les distances, pour, par exemple, entre l'habitat et le travail, entre l'habitat et le loisir, etc. Alors comment réduire les distances? Eh bien, Le Corbusier propose de tout regrouper dans un immeuble. Alors, pas le travail, sauf exception, pas le travail. Sauf dans la mesure où dans un immeuble, il peut y avoir une crèche, évidemment, les responsables de la crèche habiteront sans doute l'immeuble. Mais tous les habitants de l'immeuble ne travailleront pas dans la crèche, pour les enfants. Donc, évidemment, il propose de réduire le temps passé dans les transports. Mais alors pour cela, il propose une séparation des modes de transport extrêmement rigide, extrêmement fine en même temps, puisqu'il y aurait un mode de transport piéton, et pour les véhicules, il y aurait trois types de voies en fonction de la taille des véhicules. Et ces voies seraient, par exemple, à des niveaux différents, superposeraient à des niveaux différents. Donc on pourrait faire une coupe, où on verrait la ville en quelque sorte en tranches, etc. Bon, tout ceci... techniquement, évidemment, n'est pas impossible. Il y a même beaucoup d'espaces, notamment aux États-Unis, qui ressemblent à ça. Mais fondamentalement, quelle en est la conséquence? C'est qu'en fait, c'est une ville avant tout faite par l'automobile, parce que finalement, les petits trajets, bah, c'est à l'intérieur d'un bâtiment, à l'intérieur d'une tour ou à l'intérieur d'une barre, effectivement, pour aller d'un bureau à un autre, ça, nous sommes bien d'accord. Mais finalement, pour aller d'un immeuble à un autre, c'est la voiture. Et effectivement, presque toute l'architecture et l'urbanisme même de Le Corbusier est fait pour la voiture individuelle. Alors, ça nous renvoie à quelque chose de très important chez Le Corbusier. C'est en fait une caractéristique de notre société, et de la société américaine d'ailleurs. C'est l'individualisme de masse. C'est-à-dire qu'à la fois, la voiture individuelle, bah oui, c'est un instrument individuel de déplacement, hein, effectivement, ou au mieux familial, mais voilà. Et en même temps, de masse, puisque tout le monde doit en avoir, tout le monde en aura à terme, c'est le pari que fait Le Corbusier, qui n'est pas très éloigné de la réalité, il faut bien le dire, mais qui a des conséquences finalement ingérables, parce qu'il faut transformer la Terre en vaste réseau de routes bitumées, et c'est vers ça qu'on va. Donc effectivement, c'est un modèle qui n'est pas tenable, mais qui malgré tout a anticipé sur ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé d'une manière extrêmement contestable et finalement catastrophique. Donc voilà ce que souhaitait Le Corbusier. Alors, un autre aspect quand même très important, c'est Le Corbusier est un planificateur. Dans les années 30, on disait planiste. C'est un planificateur forcené, et son point commun avec les utopistes politiques ou les partisans des utopies urbaines, c'est qu'il veut que l'on maîtrise tout. Donc, il est totalement hostile à l'anarchie capitaliste, plus hostile à l'anarchie capitaliste qu'au capitalisme lui-même, hein, d'ailleurs. Ce qu'il n'aime pas dans le capitalisme, c'est le côté anarchique. Et d'ailleurs, quand le capitalisme est organisé, avec Taylor aux États-Unis, avec les usines d'Henry Ford, il trouve ça plutôt intéressant. Améliorable, éventuellement, mais intéressant. Ça le fascine, il a beaucoup lu Taylor. Et pour Le Corbusier, en fait, la ville est en retard. Nous sommes dans une époque de machinisme, l'ère du machinisme, dit-il, à juste titre. La ville est restée selon des modèles un peu artisanaux du 19e siècle, hein, puisque Le Corbusier est mort dans les années 60, et jusqu'à la fin des années 40, jusqu'au début des années 50, effectivement, on construit surtout en France, à rythme très lent, on ne se construit pas assez d'ailleurs, surtout du fait des destructions de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. On est entre guillemets en retard par rapport au machinisme. Et ce que dit Le Corbusier, c'est que le machinisme a posé pas mal de problèmes, mais c'est à la fois le problème et la solution. Ce qu'il faut, c'est appliquer le machinisme à la ville. Et donc, il faut industrialiser la construction, de même qu'on industrialise la construction des motocyclettes, la construction des machines-outils. Et donc, en industrialisant la construction, eh bien, on va mettre la ville au niveau nécessaire d'hygiène. Et le niveau nécessaire, eh ben, c'est de... Alors, c'est la densité, hein, explique Le Corbusier. Alors, une densité maîtrisée, toujours maîtrisée. Par exemple,
Le Corbusier soulignait que la densité était excessive dans les vieux quartiers parisiens, mais par contre était infiniment trop faible en banlieue. Alors Voisin était un ingénieur dans l'aéronautique et en lien avec Le Corbusier, il établit un plan dont il y a de très beaux dessins en 1922 de destruction de tout le centre de Paris, alors ça va du Marais jusqu'au Louvre, hein, pour créer toute une série de tours en forme de croix. Hein, en forme de croix légèrement caducée d'ailleurs, permettent évidemment un ensoleillement maximum. C'est vraiment l'obsession de Le Corbusier. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de maladies qui venaient de l'entassement, des conditions d'hygiène déplorables, etc. Même si il ne suffit pas du bon air pour supprimer la tuberculose, hein, mais enfin bon, incontestablement, c'était une des préoccupations hygiénistes de Le Corbusier et de l'époque en général. Et donc effectivement, Le Corbusier ne voyait absolument pas l'intérêt de garder les vieux quartiers de Paris, en dehors de quelques monuments, hein, peut-être, bon, le Louvre sans doute, la Tour Eiffel, etc., mais le Marais certainement pas. Et donc, dans tous ces bâtiments en croix, il avait prévu l'installation d'environ 700 000 habitants. Donc il y aurait eu 700 000 habitants d'environ les 3-4 premiers arrondissements de Paris, hein. Et même pas la totalité des 3-4 premiers. Donc vers les Halles actuelles et vers le Marais, hein. Donc une densité un peu plus forte que la densité actuelle. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que Le Corbusier, si vous voulez, l'autre, ce que l'on ne voit pas chez Le Corbusier, c'était que pour lui, une densité forte, au moins égale au Paris de son époque, qui était plus peuplé que maintenant, hein, parce qu'il y avait dans les années 45, par exemple, il y avait 2 500 000 habitants à Paris, et, alors que maintenant on est 1 900 000. Hein. Donc une densité au moins égale, mais même un peu supérieure au Paris de son époque, mais dans des conditions d'hygiène totalement différentes, pas dans des chambres insalubres, mais au contraire dans des grands espaces très aérés, très ventilés et très modernes, et bénéficiant de l'eau courante, etc. La contrepartie, c'était le refus de la banlieue. Parce qu'en fait, Le Corbusier est en quelque sorte un ennemi de l'étalement urbain, un adversaire de la croissance spatiale urbaine, et donc il considérait que c'était en densifiant une partie relativement restreinte de la ville, en l'occurrence de Paris, qu'on pouvait empêcher l'existence même de la banlieue. Je ne parle même pas de l'extension de la banlieue, mais l'existence même de la banlieue est un scandale, il le dit texto, pour Le Corbusier. C'est une aberration, c'est une erreur sans nom, c'est un faux bonheur, c'est une illusion, et il faut absolument stopper ça. Et pour le coup, le refus de l'étalement urbain, ça par contre, c'est un très grand point fort de Le Corbusier. Et là, il faudrait au contraire, effectivement, s'appuyer sur lui autant. Pour ma part, je ne suis absolument pas nostalgique de son plan Voisin qui, heureusement, n'a pas été appliqué. Mais par contre, son plaidoyer pour une densification intelligente, et non pas l'étalement urbain, ça c'est intéressant, ça c'est effectivement intéressant, mais la densification intelligente, on l'a dans le 16e, on l'a dans le 15e, où il n'y a pas des tours en croix à la Le Corbusier, où il y a tout simplement des immeubles haussmanniens, et c'est pourtant extrêmement dense. Le 16e et le 15e sont les arrondissements les plus denses de Paris, et ça n'empêche pas que ce soit considéré comme des arrondissements plutôt agréables à vivre, et plutôt valorisés. 10 fois plus dense que la Courneuve et 10 fois plus cher au mètre carré. Ça donne à réfléchir. Oui, alors le Bauhaus, c'est avant Le Corbusier, hein, puisque c'est dès les années 20, à l'époque de la République de Weimar, hein, donc en Allemagne. Alors, le
personnage principal qui anime le Bauhaus, c'est Walter Gropius. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement curieux, parce que c'est une architecture qui se veut largement minimaliste, hein, qui concerne à la fois des garages, des magasins, des entrepôts, des habitats. Une architecture minimaliste qu'on retrouve d'ailleurs avec la maison qu'avait fait construire Wittgenstein pour sa sœur, je crois, ça sera vérifié, mais c'était pas pour lui. En l'occurrence, le Bauhaus est quelque chose qui prône une architecture extrêmement épurée, et en même temps, il y a quelque chose d'assez curieux, c'est que le fonctionnement de cette école, c'est au-delà d'une école, c'est une unité de vie. Reprenons les pratiques du Moyen-Âge, dans laquelle un maître est entouré d'apprentis. Donc il y a vraiment l'esprit du Moyen-Âge qui est réinvesti, mais pour faire du moderne, pas pour faire du néo-médiéval, hein, pour produire des formes modernes, dont certaines ne manquent du reste absolument pas d'élégance. C'est quand même un courant relativement intéressant, bien que souvent, à mon avis, un petit peu austère quand même, mais il y a des choses qui sont belles, il y a une pureté de forme, et ce courant a été largement interdit sous l'époque national-socialiste, mais là aussi, il faudrait nuancer, parce qu'il y a quelques architectes issus de cette école qui finalement ont pu quand même plus ou moins continuer leur carrière en s'accommodant du nouveau régime. Donc les choses sont un petit peu moins tranchées qu'on pourrait le penser. Voilà, donc c'est un courant très curieux, parce qu'il produit des formes très dépouillées, très modernes, qui paraissent déconnectées de l'histoire, et en même temps, c'est un lieu de culture, de théâtre, etc., qui évoque les communautés médiévales. Donc c'est très curieux, il y a une pratique des relations humaines à l'intérieur du Bauhaus, qui est quand même quelque chose qui renvoie au compagnonnage médiéval, mais pour produire des formes sobres et épurées. Quelque chose d'étonnant, une tentative de synthèse entre finalement une certaine tradition et une certaine modernité. Alors pour ce qui est de l'Union soviétique, il y a des courants d'urbanistes communiste jusqu'au début des années 30. Après, les choses deviennent beaucoup plus, comment dire, encadrées par le stalinisme et sa pesanteur et son néoclassicisme sans beaucoup d'originalité, qui n'a pas donné lieu qu'à des choses horribles, hein, puisque bon, à Berlin-Est, Staline allait, qui est devenue la Karl Marx allait, on peut lui trouver quelques qualités, mais enfin, on peut lui trouver aussi quand même une certaine lourdeur. Alors, ce qui se passe jusque de la révolution d'octobre de 17 jusqu'au tout début des années 30, c'est intéressant, parce que c'est en fait ce que les urbanistes de l'époque soviétiques appelaient un anti-urbanisme, ce qu'on a appelé parfois un dysurbanisme. C'est-à-dire qu'en fait, les intellectuels et les praticiens qui réfléchissent sur les villes considèrent que toutes les villes qui ont précédé le communisme sont marquées précisément par le climat d'injustice qui était celui qui régnait avant le communisme. C'est ce que l'on pense quand on est communiste, évidemment. On pense que soi-même on a apporté le bonheur et qu'auparavant c'était l'injustice et le malheur qui régnaient. Et donc on considère qu'il faut détruire ces villes comme Saint-Pétersbourg, marquées par une histoire par définition pré-communiste, et qu'il faut en fait développer des villes entre 40 000 et 60 000 habitants. Il y a cette échelle qui est définie, pour quelles raisons précises, je ne saurais vous le dire, mais comme vous le voyez, ce sont des villes moyennes, pour même dire des petites villes moyennes, hein. Alors, pourquoi? Alors ça, c'est quand même relativement intéressant. Pourquoi? Alors, pour éviter le gigantisme, ce qui n'est pas complètement idiot. Alors, on va pas, pour éviter le gigantisme, nous en sommes d'accord, détruire Moscou et détruire Saint-Pétersbourg. Mais c'est vrai que si on réfléchit, entre guillemets, un peu ex nihilo, c'est vrai qu'il vaut mieux beaucoup de villes moyennes, sans doute, que quelques villes extrêmement grandes
et des villes minuscules. Donc effectivement, il y a cette idée que puisque le communisme remet les compteurs à zéro, il faut repartir sur cette base. Et il y a l'idée aussi, typiquement communiste, de supprimer en quelque sorte la séparation ville-campagne. C'est-à-dire qu'en fait, les villes seraient toutes des villes agro-industrielles. C'est-à-dire que les villes seraient toutes autosuffisantes avec leur environnement, autosuffisantes au plan alimentaire, donc au plan agricole, et autosuffisantes au plan industriel aussi. C'est-à-dire que finalement, elles produiraient les moissonneuses-batteuses qui iraient moissonner à 20 km autour de la ville, et puis elles mangeraient les fruits et légumes autour de la ville. Donc il y a l'idée, finalement, d'un communisme qui serait une fédération d'autarcie. Donc ça, c'est un aspect qui n'est pas inintéressant, parce qu'il rejoint les idées d'harmonie de Fourier aussi. Hein. Voilà, alors il se trouve que ça n'a pas été finalement retenu, parce que cette idée un peu d'un aménagement égalitaire du territoire n'était pas vraiment compatible avec le forçage de l'industrialisation qui était dans la logique du communisme léniniste et stalinien. Et ce forçage de l'industrialisation, il est forcément inégalitaire, aussi bien au plan politique, où il faut une dictature extrêmement forte, extrêmement violente, qu'au niveau des zones économiques, où finalement on en arrive très vite à penser des immenses combinats industriels qui dominent toute une région. Hein, voilà. Donc là, c'était l'idée que peut-être le communisme pourrait se développer harmonieusement et de manière à peu près équilibrée sur l'ensemble du territoire, en gommant finalement les inégalités territoriales qui sont inhérentes à tout pays, hein, aussi bien à la France, aux États-Unis qu'à la Russie. La France sort de la Seconde Guerre mondiale avec un retard de construction énorme, hein, puisque il y a eu quand même des destructions dans tout le nord et dans l'est de la France pendant la Première Guerre mondiale, ce qui n'est pas rien. Il y a eu toute une série de bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, au niveau des noyaux ferroviaires et des grandes villes industrielles, etc. Donc, l'absence en plus de construction, enfin, le faible niveau de la construction pendant l'entre-deux-guerres, malgré la loi Luxleur de 1928, qui n'a quand même pas suffi à relancer la construction, fait que le retard est énorme. Alors, ça met beaucoup de temps à se relancer, et ça se relance à peu près vers 1952 avec le plan Courant, hein, Pierre Courant, c'était un ministre du Logement. Et les grands ensembles s'accélèrent, alors surtout à partir de la fin des années 50, hein, avec notamment les ZUP, les zones à urbaniser en priorité. Et le grand développement de la construction, c'est pendant les années 60, c'est absolument énorme. Et jusqu'en 74 environ, puisque les grands ensembles sont stoppés en 73-74, hein, par une circulaire d'Olivier Guichard, je crois à l'extrême fin de la présidence de Georges Pompidou, une présidence interrompue par son décès inopiné, et ensuite il se trouve que Giscard est hostile au tour. Pas tout à fait la même chose que les grands ensembles, mais comme un certain nombre de grands ensembles étaient sous forme de tours, ça complète la circulaire Guichard de 73, et après, il n'y a plus de grands ensembles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de logements sociaux, mais il n'y a plus sous la forme de tours et de bars, voilà. Alors, les grands ensembles sont le produit de plusieurs choses. Alors, l'un, c'est une surestimation des possibilités de l'automobile. Alors, en fait, au moment où les grands ensembles sont construits, on considère que, à terme, avec le relatif enrichissement des couches populaires, hein, qui accèdent plus ou moins à la classe moyenne, etc., une masse croissante de gens pourra avoir une automobile, que de toute façon, ce sera bon aussi, que les gens achètent des voitures, sera bon pour l'industrie automobile française, puisqu'on est quand même à l'époque d'un capitalisme encore assez national, et que par ailleurs, le pétrole étant pas cher, y a guère de limite au développement massif de l'automobile pour tous ou pour presque tous. Donc on peut construire loin. Et comme les terres pour construire des grands ensembles, c'est des terres
non construite, si on veut qu'elle soit pas chère, si on veut éviter d'exproprier ou d'exproprier autre chose que des propriétaires de terrains agricoles. Donc ce sont des terres non construites, donc en général forcément loin de l'agglomération existante. Donc c'est pas grave, les gens iront en automobile. Donc ça c'est un premier effet. Première cause, pardon, du développement des grands ensembles. Deuxième cause, c'est une cause plus idéologique, c'est l'idéologie du mouvement moderne. Bon, le mouvement moderne, c'est un petit peu quelque chose qui va au-delà de Le Corbusier, c'est l'idée que quelque chose d'agréable à vivre, c'est plutôt qu'un immeuble un peu exigu, même haussmannien, avec une petite cour intérieure étroite et plutôt mal ventilé, avec une distinction, avec une belle façade sur rue, un peu pour l'apparat, et des façades hein, beaucoup plus modestes sur cour, que tout ça n'est plus de mise, et que, en fait, maintenant, il faut des grands bâtiments généreux, dans lesquels l'avant et l'arrière ne se distinguent pas, qui soient sur ce qu'on appelle un plan ouvert, hein, et sans cour intérieure, ou des cours en U, mais extrêmement larges, qui n'ont absolument aucun rapport avec les immeubles des années 1900, ou même avec les immeubles des années 1930, et que donc, effectivement, ces immeubles de style mouvement moderne, qu'on appelle parfois architecture internationale, eh bien, c'est ce qui permet la salubrité, l'hygiène, et la construction aussi, de masse, pas trop chère, économique, donc à la fois massive, rapide et pas trop coûteuse, donc permettant des loyers raisonnables pour que masse de gens se précipitent vers ces logements enfin modernes et enfin pourvus de l'hygiène. Voilà, donc deuxième aspect. Et la troisième cause de création de ces grands ensembles, c'est l'idéologie des technocrates. Les technocrates sont des gens qui veulent du chiffre. Et c'était aussi des gens qui avaient un certain souci de l'intérêt général, et voyant effectivement les conditions de logement déplorables des Français dans les années 40-50, se sont dit, bah oui, il faut aller vite, et ça va en plus relancer l'industrie du bâtiment, ce qui sera une bonne chose pour l'emploi, et ce sont des gens qui ne se souciaient peu des héritages historiques et de la géographie. Ils considéraient que, bon, la prise en compte de la géographie, tout ça, c'était un peu des vestiges d'une pensée un peu trop poussive, et que, bon, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, même la notion de zone inondable, ça a beaucoup de sens, on n'a qu'à construire sur des piliers, et puis, bon, éventuellement, si le rez-de-chaussée est inondable, c'est pas grave, les étages supérieurs ne seront pas inondables. Et puis, de toute façon, on est dans une période où la nature, on va les contrôler, on fait des barrages, on n'a pas à s'inquiéter de ça, maintenant, on est dans une époque de maîtrise de l'aménagement de l'espace. Donc, idéologie prométhéenne, idéologie de ce que finalement l'histoire et la géographie n'ont plus beaucoup d'importance. Maintenant, c'est l'homme qui crée son cadre pratiquement en toute liberté, parce que les moyens modernes sont surpuissants. Et c'est sûr qu'ils sont infiniment plus puissants qu'ils ne l'étaient il y a 2-3 siècles. Donc, effectivement, voilà. Donc l'automobile, l'idéologie du mouvement moderne comme forme architecturale infiniment supérieure à toutes les formes qu'on a utilisées auparavant, influence de la technocratie qui veut qu'on fasse vite et qu'on ait des résultats rapides en quelques années, tout ça a amené à la création des grands ensembles. Et le passage de la 4e à la 5e République a aussi eu une conséquence, c'est qu'il se trouve que sous la 4e République, beaucoup de réflexions insistaient sur le fait que, dans la lignée de fameux ouvrage de Jean-François Gravier, Paris et le désert français, insistait sur le fait que la croissance de Paris devait être maîtrisée et même si possible stoppée au profit des autres villes beaucoup plus petites de France. Et à partir de la 5e République et du développement fantastique de l'économie sous De Gaulle et de l'affairisme immobilier aussi, on a considéré que non, finalement, c'était plutôt l'idéologie de la locomotive qu'on retrouve avec Macron, avec l'idéologie du premier de cordée, et que finalement, plus Paris sera développé, plus la France sera développée. Donc on passe d'une logique de l'équilibre,
plutôt sous la 4ème République, d'une logique de attention à des mesures et rééquilibrons par les villes moyennes, à une logique plutôt de la locomotive ou du premier de cordée. Donc c'est intéressant de voir ce basculement qui est assez peu étudié entre la 4ème et la 5ème République. Alors, dans les 8 péchés capitaux de notre civilisation, en 1973, Conrad Lorenz expliquait que l'accroissement territorial des villes, l'étalement urbain, était un des maux principaux de notre époque. Alors, effectivement, la banlieue, je dirais volontiers que c'est une excroissance excessive, une sorte de tumeur cancéreuse d'une ville. Si vous voulez, qu'une ville voit sa taille évoluer, ça a toujours existé, et c'est pour ça qu'il y avait ce qu'on appelait des faux bourgs. Faux bourgs, pas vraiment des bourgs. Des faux bourgs dans lesquels on se sentait un peu en ville, mais on savait bien qu'on n'était pas dans le centre-ville. On était un peu en périphérie. Ça faisait une transition, voilà. Mais la taille des faux bourgs était modérée. C'était un petit peu l'équivalent de la taille de la couronne urbaine, justement annexée en 1860, par rapport à la taille du Paris initial. Maintenant, les faubourgs ne sont pas deux fois plus étendus ou trois fois plus étendus que la ville-centre, comme c'était le cas, on peut dire, jusqu'en 19e siècle, jusqu'en 1880, par exemple. Les faubourgs sont souvent quasiment 50 fois plus étendu, mais il ne s'appelle plus faubourg, il s'appelle banlieue. Si vous voulez, quand vous prenez la région parisienne déjà, vous avez environ, dans l'aire urbaine de Paris, donc c'est la notion la plus large utilisée par les statisticiens, vous avez 12 millions d'habitants. Vous avez plus de 10 millions qui sont hors Paris intramuros et moins de 2 millions qui sont à Paris intramuros. Et alors si vous prenez par contre la surface, alors là il n'y a pas photo quoi, vous avez à peu près les deux tiers de l'Île-de-France qui sont considérés comme urbanisés, qui sont plus ou moins de la banlieue, y compris pavillonnaires, pas seulement grand ensemble, mais qui sont quand même urbanisés, largement urbanisés. Quand vous y êtes, vous n'êtes pas vraiment en ville, mais vous êtes sûr d'une chose, vous n'êtes pas du tout à la campagne. Et vous avez même une partie, comme nous l'avions vu, de régions centre ou Picardie, etc., qui sont plus ou moins dépendants de l'agglomération parisienne. Voilà. Donc, si vous voulez, les deux tiers de l'Île-de-France, ça fait plus de 50 fois la surface de Paris. Hein, j'ai plus en tête, mais bon, Paris, c'est 100 km carrés, enfin, etc. Donc, si vous voulez, c'est une excroissance totalement délirante. Parce que si on regroupait toute la population de la région parisienne avec la même densité qu'à Paris intramuros, ben il ne nous faudrait que 4 ou 5 Paris supplémentaires. Et 4 ou 5 Paris supplémentaires, ça tiendrait sur toute la surface des 3 départements de proche périphérie, c'est-à-dire Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Donc imaginez que quand vous quittez par exemple Gagny, en Seine-Saint-Denis à peu près, ou quand vous quittez la ville d'Orly, vous soyez, mais alors en pleine campagne, en pleine campagne autant que dans la Creuse, voyez, voilà, et que par contre, quand vous êtes effectivement à Bobigny, ou à Gagny, ou à Vitry, ou à Nanterre, vous ayez la même densité que dans le 15e arrondissement, ou que dans le 16e arrondissement. Donc vous voyez, alors ça je pense que c'est ce qu'aurait souhaité Le Corbusier. Alors je pense que Le Corbusier aurait peut-être été encore plus radical, c'est qu'il aurait quand même dit que non, il fallait que malgré tout 12 millions d'habitants regroupés, c'était quand même trop, que peut-être il fallait créer des villes nouvelles, là c'est fort possible. Mais par contre, effectivement, si on avait en banlieue la même densité qu'à Paris, la surface de la banlieue serait 20 ou 50 fois plus petite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas habiter dans des immeubles haussmanniens. Mais ce qui est sûr, c'est que l'étalement urbain est une catastrophe en termes de consommation d'espace. Et c'est incontestablement une catastrophe. En France, vous avez quand même à peu près 20% de la population française sur 1% du territoire national.
C'est une pure folie. 20% de la population française sur à peu près 1% du territoire national. C'est une pure folie. À cause des agglomérations et de la banlieuisation. Donc il y a quelque chose qui est pathologique dans l'extension indéfinie de la banlieue. Et ces banlieues ne se sont développées selon des modèles de séparation, de zoning, pour le coup, en reprenant le plus mauvais de Le Corbusier, par exemple les zones commerciales, qui font que les commerces de banlieue sont souvent réduits à pas grand-chose, parce que les vrais commerces, finalement, ne sont pas dans les villes, ils sont dans des zones commerciales, quoi. Rosny 2, Belle Épine, etc. Et ont quasiment mangé toute l'énergie qui aurait pu être diffuse dans les rues même, et qui existe encore, par contre, heureusement, à Paris, intramuros, vous voyez. Mais si effectivement vous avez des commerces tout au pied des immeubles, rue de Vaugirard, rue Lecourbe, etc., ben c'est qu'effectivement on n'a pas mis en plein milieu du 15e arrondissement, fort heureusement, un immense centre commercial du genre Belle Épine, vous voyez. C'est effectivement grâce à ça qu'on a encore des commerces de proximité. Mais en banlieue, on n'a pas eu cette stratégie. Et du coup, le commerce au pied des immeubles vivote tristement. Tout le monde est en voiture et il n'y a pas vraiment besoin de rue. Soit il y a une mixité des modes de déplacement, rue, deux roues, sans parler des modes actuels du type patinette et autres. Et la rue est nécessaire. Alors c'est vrai que depuis 15 ans, on assiste quand même à un brouillage complet de l'identité de la rue. Parce que il y a des pistes vélo qui sont prises sur la chaussée, donc qui sont prises sur la partie dévolue aux voitures, mais il y a aussi des pistes vélo qui sont prises sur le trottoir, donc sur la partie dévolue aux piétons. En fait, le seul personnage qui n'a plus d'endroit où il est sûr d'être chez lui actuellement en ville, c'est quand même assez dramatique, c'est le piéton. Donc concrètement d'ailleurs, c'est qui ? C'est la personne âgée. En fait, la personne âgée est totalement discriminée actuellement en ville. Puisque finalement, entre les endroits pour vélo, les endroits pour trottinette, et puis sans compter les endroits qui sont appropriés sauvagement par le plus audacieux, si je puis dire, eh bien le piéton classique, le piéton traditionnel, ou la maman avec sa poussette, ne sait plus trop où passer. D'où le fait que les familles ont tendance à aller en banlieue et que pour le coup, elles font tout en voiture. Ce qui, à terme, n'est quand même pas non plus très souhaitable, la civilisation de l'automobile n'étant pas susceptible d'être généralisée sur toute la surface du globe indéfiniment. Donc il y a un énorme problème de la rue. Moi, je crois beaucoup à l'utilité de la rue. Mais je pense que pour l'instant, il y a un gros problème de conflit d'usage. Alors je suis assez partisan du développement des petites voitures urbaines. Je pense que ce qu'il faut absolument, c'est, à mon avis, c'est réinventer la deux chevaux. C'est-à-dire, d'une manière générale, des voitures qui vont à 110 km/h, ce qui suffit largement, vu les limitations. Ce qui n'intéresse absolument pas les constructeurs, parce que, par définition, des voitures de type 2 chevaux ne peuvent pas être vendues extrêmement chères, donc le profit n'est pas vraiment énorme, mais je pense que c'est totalement adapté. Des voitures pas très rapides, mais qui offrent quand même un minimum de protection pour les déplacements des familles, qui ne soient pas très grandes, dont il existe des modèles prévus par exemple uniquement pour deux personnes, comme la Smart par exemple, sauf que la Smart coûte extrêmement cher pour une voiture qui n'est pas une voiture familiale. Donc ça, à mon avis, il y a quelque chose à développer, le deux roues aussi est à développer, et pas forcément le deux roues électrique, hein, même le deux roues à essence, etc. Parce que, en fait, on peut très bien avoir des voitures à pétrole qui consomment 1 litre au 100 ou 1,5 litre au 100.
Et au plan de l'écologie, c'est au moins aussi intéressant que des voitures électriques avec des batteries qui elles aussi sont faites à partir de matériaux dont la quantité n'est pas illimitée. Donc transport en commun, ça, à mon avis, absolument indispensable à développer massivement. Et petites voitures pas chères, du type la deux chevaux ou la coccinelle, mais en plus petit, quoi. Enfin, voilà, retrouver l'esprit de la voiture populaire et lente. Parce que c'est vrai que dans un pays où, de toute façon, les vitesses sont limitées, ça n'a pas un grand intérêt d'avoir des voitures qui toutes sont complètement surdimensionnées en termes de puissance. Alors, ce qu'on appelle le mouvement postmoderne se veut évidemment une réaction face à la modernité. Mais alors, quelle réaction ? La modernité elle-même se voulait une réaction par rapport à l'habitat jusqu'à la fin du 19e siècle, en quelque sorte. Hein. Alors, si on veut être très rapide, jusqu'à Haussmann inclus, on est quand même dans un urbanisme d'îlots et de cours plus ou moins fermés. Pratiquement, que ce soit de l'habitat haut de gamme ou de l'habitat plus modeste, on est quand même vers des cours intérieurs et des rues très classiques. L'habitat traditionnel jusqu'en gros vers 1920-1930. Le mouvement moderne, qui est imaginé dès les années 20, que l'on trouve dans théorisé en quelque sorte, notamment dans la charte d'Athènes, hein, que nous avions évoquée, 1933, publiée en 1942-43, se développe avant tout très concrètement après la guerre, hein, aussi bien dans les pays capitalistes que dans les pays communistes, hein, du reste, et c'est notamment les grands ensembles. Et là, c'est ce qu'on appelle le plan ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de cour intérieure, ce sont au contraire des bâtiments qui apparaissent isolés sur des grands espaces et qui ont toujours une densité très faible. La densité de la cour neuve, c'est 5 fois plus faible que, par exemple, la densité du vieux centre-ville, même de Saint-Denis, par exemple. Hein, il ne reste pas beaucoup du vieux centre-ville de Saint-Denis, mais ils ont construit des choses relativement denses, voilà. Ou du vieux centre-ville, on peut dire, il reste quand même quelques rues d'Aubervilliers, par exemple. Le mouvement moderne, donc c'est très peu dense et c'est très aéré. Et le postmodernisme, alors lui, c'est quelque chose qui ne revient pas forcément avec des constructions du type îlot, très traditionnel, sans rejeter pour autant cette forme, qui par contre rompt assez franchement avec les barres et les tours et en gros les constructions du type mouvement moderne. Ça donne des choses intermédiaires que l'on voit avec, dans le quartier des hautes formes, par exemple, dans le 13e, avec une construction comme celle de Christian de Porzamparc, qu'on voit aussi, je le cite dans mon livre, avec des constructions à la Courneuve de Catherine Perret, qu'on voit avec des constructions d'immeubles sociaux en bois au Blanc-Mesnil, qu'on voit avec certaines constructions modernes vers la porte des Poissonniers récemment, c'est-à-dire à Paris, porte des Poissonniers, c'est à mi-chemin entre la porte de Clignancourt et la porte de la Chapelle. Donc c'est quelque chose qui ne s'interdit pas l'îlot, mais qui essaye malgré tout de limiter les cours intérieurs quand même souvent un peu sombres et avec beaucoup de vis-à-vis pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus ouvert mais qui néanmoins est en rupture totale avec le mouvement moderne. Bon, c'est une tentative de synthèse en quelque sorte. Et puis c'est surtout du sur-mesure. Hein, c'est surtout du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir par rapport à l'existence, un travail en général assez fin. Porzamparc fait des choses intéressantes dans ce domaine, aussi bien dans le domaine de l'habitat que dans le domaine de construction comme la cité de la musique, etc. Donc d'équipements culturels, ça peut être aussi des équipements sportifs, etc. Voilà à peu près ce que l'on peut... Donc c'est des choses, c'est un peu un terme fourre-tout, hein, il faut bien le savoir, que de parler de postmodernisme, de même de parler de postmodernité. Si on voulait chercher un rattachement par rapport aux fameuses
au fameux type évoqué tout à l'heure, culturalisme, naturalisme, progressisme, c'est clairement dans la lignée du culturalisme. Et incontestablement, voilà. Alors parfois ça donne lieu à des choses un peu pastiches. On a beaucoup critiqué Ricardo Bofill et la place de Catalogne, par exemple, à Paris, et ses constructions qui sont beaucoup plus importantes qu'à Paris, à Montpellier. Ce sont quand même des choses qui vieillissent relativement bien. C'est un type d'urbanisme qui permet quand même de combiner une certaine mixité des fonctions, par exemple des commerces au rez-de-chaussée, ou des activités au rez-de-chaussée, des bâtiments de bureaux, et de l'habitat au-dessus. Donc c'est quand même plus intelligent que le zoning, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. Après, chacun peut avoir son opinion sur ce qu'a pu faire Ricardo Bofill. Je ne trouve pas que ça soit catastrophique, même si je ne souhaiterais pas voir de Ricardo Bofill absolument partout, hein. Le mode de contrôle a complètement changé. Maintenant, l'ennemi n'est pas celui qui est au-delà des murs, c'est celui qui peut arriver par le train à l'intérieur même de la ville, ou c'est celui aussi qui peut arriver par une bretelle d'autoroute. En plus, les modes de contrôle maintenant sont évidemment numériques, électroniques, vidéosurveillance, etc. Donc en fait, la ville est complètement quadrillée de partout. Il est très caractéristique que les émeutes de banlieue, que ce soit en 2005 ou en 2007, ont visiblement beaucoup moins scandalisé les journalistes que de tables renversées aux Fouquet's. C'est tout à fait sidérant, quoi. C'est-à-dire parce qu'il y a vraiment l'idée qu'il ne faut pas toucher aux Champs-Élysées. Mais par contre, faire brûler 1200 bibliothèques ou établissements scolaires en banlieue, c'est pas grave. Parce qu'effectivement, il n'y a aucun ministre qui habite en banlieue, surtout dans celle qui brûle, quoi. Donc, c'est pas Neuilly qui a brûlé, incontestablement. Donc on est vraiment dans effectivement, une hypersensibilité à tout ce qui touche à certains quartiers, alors que des voitures qui brûlent, il y en a tout le temps, absolument tout le temps, dans toutes les banlieues, que ce soit les banlieues de Paris, les banlieues de Strasbourg, etc. Et le pouvoir public considère ça comme globalement tout à fait normal, en tout cas difficilement évitable. Mais de toute façon, ce sont des voitures de banlieusards qui sont brûlées par d'autres banlieusards, sauf que c'est les banlieusards plus jeunes qui brûlent les voitures des banlieusards un peu plus âgés. Voilà, donc c'est tout à fait un deux poids, deux mesures. C'est la ville intelligente. Alors en général, c'est tout simplement l'intelligence artificielle qui va gérer un certain nombre de fonctions. Alors l'idée, c'est que les promoteurs de la Smart City nous expliquent qu'on va résoudre la plupart des problèmes humains et urbains par l'intelligence artificielle. Alors je n'y crois pas une seconde. C'est l'idée que la technique va résoudre les problèmes posés par la technique. Ou que le capitalisme va résoudre les problèmes posés par le capitalisme en se verdissant, par exemple. Donc je n'y crois pas une seconde. Je crois que l'un des principaux problèmes de la ville, c'est le gigantisme des métropoles, et qu'il n'y a de réponse à l'obésité urbaine qu'une cure d'amincissement. C'est tout. Il n'y a pas d'obésité plus ou moins intelligente, que la seule réponse, c'est l'amincissement et la décroissance. Il y a de quoi être inquiet quand on voit les tendances actuelles à des villes énormes, des villes comme Lagos, 25 millions d'habitants et plus, etc. Mexico, bon. Ce qu'il me paraît important, c'est de déjà déterminer le souhaitable. Alors le souhaitable, à mon sens, c'est la démétropolisation. Sachant que une métropole, c'est une très grande ville. Bon, en France, par exemple, c'est Paris. On peut rajouter Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, peut-être les villes très grandes, Nice à certains égards, voilà. Donc je pense que, par exemple, prenons Nice, la métropole de Nice fait quasiment toutes les Alpes-Maritimes, jusqu'à des villages extraordinairement reculés. C'est une aberration, ça veut dire qu'en fait, la
90% des Alpes-Maritimes sont considérées comme une banlieue de Nice et dépendent politiquement du président de Nice Métropole, qui n'est autre que le maire de Nice. C'est d'ailleurs finalement que les zones rurales sont dans la dépendance d'un élu urbain. Bon, quelles que soient les qualités ou les défauts de cet élu, c'est pas la question, mais c'est une aberration. Oui. Donc ça, c'est la démétropolisation est nécessaire à la fois au plan politique et au plan des stratégies urbaines. Bon, par exemple, Nice va urbaniser la plaine du Var, qui est par ailleurs inondable. En termes d'équilibre, c'est une aberration. Ça veut dire que Nice, qui dans les années 1920 recevait tous ses fruits et légumes de territoires agricoles qui étaient à 20 km, maintenant les reçoit au mieux de zones qui sont à 300 km en Italie. Quand ce n'est pas pire. Par ailleurs, c'est une anecdote, mais elle est frappante, une partie des ordures de la ville de Nice sont traitées dans le Pas-de-Calais. Bon. Ça paraît d'une grande logique. Bon, mais indépendamment de ça, démétropolisation, c'est-à-dire que toute ville au-delà de 500 000 habitants, et a fortiori quand elle a dépassé 1 million d'habitants, à mon avis, a largement dépassé la taille optimum. Donc il faut tout faire pour qu'il n'y ait aucun accroissement. Où doit aller l'accroissement de la population urbaine? Alors déjà, faut-il un accroissement de la population urbaine? Il n'est sans doute pas totalement évitable. Alors, on est arrivé à un très haut niveau d'urbanisation de population qui vit dans les villes en France. Donc, nous, on n'a plus grand-chose à urbaniser encore. Mais dans d'autres pays, bon, une urbanisation va continuer de se produire. Il est important d'être conscient que si l'urbanisation se fait de manière répartie entre les villes entre 50 000 et 100 000 habitants, ou entre 50 000 et 400 000 habitants au grand maximum, ça sera tout de même préférable que si tout le monde va dans des villes qui sont déjà de plus d'un million d'habitants. Donc déjà au moins avoir une politique équilibrée consistant à favoriser les villes moyennes et à défavoriser, enfin à décourager tout accroissement des villes qui ont déjà 500 000 habitants. A fortiori toutes celles qui ont déjà plus d'un million d'habitants. Voilà. Donc ça, il faut déjà être conscient de ça. Donc une politique d'équilibre du territoire. C'est tout le contraire de ce qu'on fait en France. En France, on avait 22 métropoles régionales, on a créé des méga-régions, complètement stupides, avec Valls. Et maintenant, on considère qu'il faut développer uniquement les grandes villes, c'est-à-dire les villes reliées entre elles par le TGV, Toulouse, Bordeaux, etc. On a complètement abandonné l'idée qu'on a pu avoir un moment d'un développement équilibré de villes moyennes, de villes comme Besançon, de villes comme Limoges, de villes comme Toulon, etc. Or, c'est précisément cela qu'il faudrait faire. Ensuite, ce développement des villes moyennes doit se faire par de la densification, raisonnable, mais quand même de la densification, et non pas par l'extension de banlieues qui fait que la campagne se trouve de plus en plus loin, à 30 km, à 50 km, à 70 km. Bon, donc ça, effectivement, avoir des politiques très strictes consistant à densifier certaines zones plutôt qu'à faire de la consommation de terrain et de l'imperméabilisation des sols. On sait que tous les 10 ans, on consomme un département, et même moins de 10 ans, je crois, pour consommer tout un département en sol imperméabilisé. Donc ça, c'est une chose. Et puis, revivifier les bourgs, c'est-à-dire que fondamentalement, il faut voir les ruraux comme des gardiens du paysage, hein, et pas seulement comme des industriels de l'agriculture. Donc là, c'est toute une conception d'agriculture qui doit être pensée. Et interdire ce que font énormément de petits bourgs, ce qui est une aberration, c'est-à-dire que beaucoup de bourgs laissent dépérir tout leur patrimoine bâti ancien, qui a 200-300 ans, et à 2 km du centre du bourg, construisent une zone pavillonnaire, avec des pavillons qui sont tous identiques, que vous soyez dans la Creuse, à Guéret, ou que vous soyez dans le Pas-de-Calais, ou que vous soyez en Moselle, ou que vous soyez dans le Morbihan. Donc ça, c'est une aberration. Et tant qu'il y a une seule maison qui n'est pas réhabilitée dans le centre du village, il devrait être interdit de construire une zone pavillonnaire en périphérie. Un vaste chantier, donc. Vaste chantier. Je pense qu'il faut soutenir tous les intellectuels, tous les acteurs politiques, etc., qui vont dans ce sens de la démétropolisation.
et du retour à un aménagement équilibré du territoire. Voilà.